fils d'agriculteur et j'aimerais reprendre la suite, mais je me demande si je pourrais continuer dans le modèle actuel. Est-ce que vous pensez que nous, à votre âge, on aura de l'eau potable au robinet ? En fait, on pense qu'on devrait économiser l'eau comme on essaie d'économiser l'énergie parce que c'est tout aussi important. Nous, du coup, la nouvelle génération, on va en payer les conséquences et puis surtout, si on fait rien, ça va continuer à se dégrader. Et comment limiter l'impact de l'érosion sur nos dunes ? Vous comme moi, nous aimons aller sur ces plages et on les voit petit à petit se faire grignoter et on se demande si d'ici 50 ans, elles existeront encore. On aime aller à la plage, je pense que vous aussi, donc aidez-nous à la sauver. Quand vous parlez de la question de l'eau, elle est essentielle parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture et il n'y a pas de vie, il n'y a pas de biodiversité. Donc, plus on utilise d'énergie fossile, plus on libère de carbone. Est-ce que l'homme va prendre conscience qu'il est en lien avec le vivant ? N'oublions pas que nous sommes une partie de ce vivant. Article 1, la loi sur l'eau et de la directive cadre européenne sur l'eau, l'eau est un commun. Ça convoque au moins une dimension, la dimension du partage. Les réponses existent, on les a, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, maintenant c'est une question de moyens et de temporalité parce que je pense qu'on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Moi je me pose des questions à mon petit niveau, est-ce que je suis capable de prendre une position dans ma vie de tous les jours pour essayer de faire avancer les choses. Pourquoi, si vous en avez déjà discuté avec des gens, et pourquoi si même des élèves de seconde, ils arrivent à trouver des solutions pour répondre à nos problématiques, pourquoi ça n'a pas déjà été fait ?